Avant de commencer la vidéo, petit message pour t'informer que tu peux nous follow sur Instagram, Twitter ou Twitch. Mieux encore, tu peux rejoindre le Discord pour parler avec la communauté. En faisant cela, tu nous aides à créer de nouveaux concepts, trouver des invités pour les vidéos et avoir une communauté active. Tous les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arco08. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la bêta, enfin la découverte de la bêta, pardon, de Gory Cuddly Carnage. Donc, c'est développé par un studio indépendant qui s'appelle Hungry Demon Studio. La bêta est disponible sur Steam en public pour tout le monde, gratuitement du coup. C'est un mode de jeu solo qui est développé sous le moteur graphique Unreal Engine 5. La sortie, j'ai vu 5 décembre 2022, mais du coup, ce n'est pas ça. Je n'ai pas trouvé la date officielle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de skate et de slash à la troisième personne, où on va incarner un chat tueur, super cool, sur 1, 2, 3, sur son skate volant meurtrier, et on va semer le chaos lors de combats qui sont ultra rapides, etc. Donc on a un gros avertissement comme quoi le jeu n'est pas adapté si on a des problèmes d'épilepsie, etc. Il n'y a qu'une version anglaise ou allemande, on va se mettre en français, c'est plus facile, avec français pour les sous-titres. Et on est parti pour lancer le jeu. Voilà, l'avertissement qui est là, couleur vive et violence. Ok, appuyez sur n'importe quel bouton pour commencer. Alors, dans les options, on peut gérer les graphismes. Et on va pas se casser la tête. On va mettre ça en très élevé. Champ de vue 85. Ouais. Je gère pas l'HDR. Ray tracing, je le gère. On va l'activer. Du ray tracing. C'est assez sympa, ça, le ray tracing, par contre. Pourquoi je suis en... On va se mettre en plein écran. Par contre, je suis en 1920 par 1080. On va appliquer. Oui, je peux pas augmenter la fréquence d'image. Et on est bon. Ok. Hop, oui. Non, ça, on est bon. Général. On va regarder les contrôles. Ça peut être bien. Ah, quoi, ils vont peut-être les présenter dans le jeu. Donc, nous avons les défis de l'arène. Ah, ok, ça c'est... Attendez, stop. Je veux pas faire ça, je veux... Oh, ça lague. Alors, attendez, non, on va faire ça, plutôt. Non, pas quitter le jeu. Retour au menu principal. On va plutôt... On a trop stylé, Brandt. On va faire une nouvelle partie. Prenez vos ennemis avec aisance de sieste. Vos ennemis infligent moins de dégâts. Ok, donc ça c'est facile, normal, difficile et hard. On va faire normal, du coup. Ok, je sens que je vais kiffer le jeu. Déjà, ça part super bien et tout. Ça a l'air bon d'ailleurs, ce jeu. Alors, nous allons avoir une cinématique dont je vais me taire pendant la cinématique comme d'habitude. Enfin, si ça parle. Oui, ça parle. Engineers are gone from that dirt patch around which we're currently orbiting in 1,000 metric tons of steel. Metric tons? Don't talk about my weight. Don't worry about your weight, Chip. We love living inside your voluptuous body. We'll fortify up here, and whenever Gory runs out of his processed chew toys, we can just get some exercise and resupply back on Earth. In my mind, all
prosperity forever and ever and ever and... Wait, what the f*** is that? Oh! Breach? Oh, breach. There's definitely a breach. My insides are falling out. Wow, I think Chip is dying. Breach. This is awesome! Oh, I can't feel my legs. Breach. Cruel world. Fire. Was that them? The professor never mentioned any cool toys to remark explosives. How are we supposed to get back to Earth? Gory? Wait a minute. What the fuck are you doing in the airlock? My child friendly software won't let me swear, but I'm fucking serious. Fuck! This is genial. Let's talk about this over some nice meal. Come on, you want some nice meal, bud? Game face on. Gory. The perfect pet. C'est, mais c'est hyper satirique. Waouh, la vache, c'est violent les couleurs. Ok, alors pour les découvertes de bêta, je mets toujours les fesses en haut à gauche pour que vous voyez la stabilité du jeu, etc. Bon, pendant les chargements, c'est pas stable, ça va très varier. Mais pendant le jeu, en fait, vous allez voir la fréquence et tout ça. J'ai l'impression que le jeu est plutôt bien petit, qu'il est facile à se tenir. Par contre, ouais, c'est satirique à mort, je m'attendais pas à ça. Ok, alors, sauter, un tourbillon pour couper, je pense. Alors, quel est le but? Trouver des boissons saines, trouver du carburant. Un nouveau vaisseau, d'accord. Alors le carburant, ça va être ici, je pense. Oh, oh, oh cool. Alors comment ça marche? Ah, c'est pas ça du carburant. Attends, j'entends couler là. Je... Alors attendez, parce que là c'est le moment où je vais galérer. C'est ça, c'est bien le problème avec moi. Wait. Bon, là j'ai rien. Mais si, du coup, je pense que le carburant c'est bien le truc au niveau de l'éclair. Mais comment je fais après? Arrête de sauter! Alors là, je suis en train de toucher à toutes les touches. Ah, voilà. C'est good. En fait, il faut faire X. Ok, road closed. On peut pas y aller tout de suite du coup. Enfin, même si j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien ici. Ah, c'est très saturé en couleur. Ok. Là, je peux casser les cœurs. Enfin, les cœurs. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, il n'y a rien d'autre ici. Allez, c'est parti. On va tracer vers là-haut. Alors, il n'y a pas moyen de booster. Non. Bon, là c'est un peu un tuto. Ça me termine, la satire est vraiment très très cool par contre. Alors, un cours de carburant pour les boosts et les mouvements destructeurs, utiliser les wall rides. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, les wall rides, ça va être ça. Ok. Là, il y a un autre wall ride. Ah, oh, c'est génial. Oh. J'ai failli ne pas passer. On a trouvé le vaisseau, cette planète est nulle. Oui. C'est très marrant parce que ça se moque vachement de la Terre et j'aime bien ça. Oh merde. Ça va pas te détruire, non? Oh, y'a Yarcro, qu'est-ce que tu fous? Là, c'est là. Hop, on saute l'autre côté. Non, l'autre côté. Yarcro, tu forces. Bon, faut pas que je saute, ok. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi je vais autant galérer. Alors là, il y a quelque chose. Il y a des boissons saines. Voilà. Alors, ensuite. Alors RB, d'accord. Oh, ça c'est sympa. Ok, ça c'est très très sympa, franchement. Petite clé.
Oh, attends, je vais détruire les sortes de cœurs là. C'est dommage qu'on. Purée. C'est dommage qu'on puisse pas aller un petit peu plus vite. Oh, ça lag. Là, vous avez vu une petite chute de FPS. Bah, ça, c'est les petits problèmes de. Par contre, c'est vrai que, ouais, les couleurs. C'est les petits problèmes d'optimisation. Pardon, je vais pas. Mais c'est vrai que les couleurs pour les yeux, c'est violent. Hein. Je vous le dis clairement. Je sais pas si en vidéo vous allez ressentir ça. Mais. Ouais, je peux vous dire que. Bah, là, ça pique les yeux, franchement. Ok, faut pas les péter, ça. Enfin, faut pas les péter, faut juste passer dessus pour les ramasser. Soit je pense que je vais le péter, non. Et là, j'ai de la vie, enfin de la vie, je crois, de la nourriture. Oh, c'est cinématique. Ah. Donc là, ça va être des ennemis. Oh, doit tuer. Ah, pas cool. La moche corne. C'est des génies. Bon, j'imagine il y a juste à faire ça. Waouh. Je m'attendais pas à si violent, par contre. Mais le jeu est magnifique d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais ouais, je m'attendais pas à ça. C'est sale. Oh purée, dégagez. Ah, j'espère que ça passe sur YouTube ça. Ah, je pense que c'est quand même... ça reste des graphismes assez mignons. Ouais, quoique. Je sais pas si ça passe ou pas, on verra. Okay. C'est trop, c'est trop marrant le chat, franchement. Bah, tu la minière, je pense qu'elle va être ici d'ailleurs. Hop, petit saut. Ouah, ça avance! Au secours! Ouh, j'ai chaud! Oh, salut toi! Oh purée, il y a des trous dans la route. D'accord, donc je n'ai pas le droit de m'arrêter. Ok. Oh, ça c'est stylé. Hop, petit saut. RB, c'est quoi RB? J'ai oublié RB. Attendez, parce que je trouve plus RB. RB, merde. Enfin, c'est pas que je trouve pas, c'est que la même touche ne marche pas. Ouais, RB, c'est bien cette touche-là, ça marche pas. D'accord. En fait, j'avais pas le bon timing. Merde. Accro ! Qu'est-ce que tu fous ? Oh, yo ! Alors, hop, petit saut. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on galère un peu, il y a un tuto pour nous aider avec les touches. Voilà, en fait, j'ai appuyé trop tôt sur RB. Maintenir RT. Ah, le boost que je réclamais tout à l'heure. C'est vraiment très stylé. Ouah, ça lag. Bon, le jeu... Après, n'oublions pas que c'est une bêta. Hein. C'est bien entendu normal que ça lag un petit peu pour une bêta. Ouf, j'ai fait une fail. En fait, c'est un jeu un peu parcours à la Ghost Runner, mais en plus fun et plus coloré. Oh, je sens pas. Il s'est barré. Hop. On détruit tout ça. Oh, ça a changé la terre. Hop, le carburant, on prend. Même si en soi, je suis à fond. Ok, ça disparaît, y'a pas besoin d'attendre, ça va. Y'a pas de nourriture ou tout ça là, j'ai l'impression. Oh, c'est quoi ça? Je pensais pas que ça se pétait, bah du coup ça se pète aussi. Ça, voilà, je réclamais de la nourriture, là voilà.
acheter. Et ça sera tout. Non, il y a encore ça. Oh, de la monnaie. Nice. Tout ça, ça se pète aussi. Ça aussi. Et après. Après, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut trouver ce qu'il faut que je fasse. Ça, ça se pète pas. Ça non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que je passe par là, je pense. Hop là. Petit drift des familles. Ah, donc il y a des sauts à faire aussi. Ce qu'on appelle un fail. Ok. On est bon. Donc là, je fais un saut, un deuxième, et voilà. Ok. Voyons voir. Là, je vais sauter. Bon, c'est assez sympa, mais le rythme est un petit peu mou quand même du jeu. Il faudrait que ça s'accélère un petit peu au bout d'un moment, mais c'est assez sympa à jouer. Faut aimer ce style de jeu. C'est assez... Mais j'aime bien, en fait. Moi, ce que j'ai bien aimé pour l'instant, c'est la satire. Je sais pas quoi ça sert de détruire les cœurs à part faire des trucs beaux. Ok. Bon, les lampadaires, ça sert à rien. Ok, y'a rien de la récup, on enchaîne. Hop, petit. Wesh, y'a quoi qui m'a... Ok, ça, oui, ça... Ah, sympa, le petit dinosaure, là. J'ai eu très très chaud. Je m'améliore, en vrai. C'est pas encore ça, mais je m'améliore. Ok. Oh, des licornes. Ça faisait longtemps. Oh, ça va être... What? Les lamcornes. Oh putain, les mecs se sont vraiment pas saoulés pour les noms. Alors j'imagine que les lamcornes... Oh, ça c'est sympa. Violent mais sympa. Ah oui, vache, je les ai fait voler jusque là. Ok, donc les lamcornes, je peux les détruire que comme ça. Ah mais c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord. Oh, purée. Oh non, c'est bon. Pas obligé de faire du ralenti. Ça va... Je sais pas. J'espère vraiment que ça passe avec YouTube, par contre. Autant... Je sais pas. Ok, je pense qu'on est good. On va maintenant... Je pense pas que c'est comme ça qu'il veut que le jeu comprenne, mais ça passe. Oh. Pas du tout. Bon, on va bien le prendre cette fois-ci. Hop. Et de 1. Et de 2. Ok. Oula. Un sympathisant des humains. Ouah, ça fait très complotiste par contre. Hop. Ah, voilà, tout à l'heure, je râlais comme quoi c'était un petit peu lent. RTX. Ah, faut maintenir, pardon. Oh, il y a des licornes. C'est bon? Alors ça, j'imagine qu'il faut pas que je roule dedans. Exactement. Je voulais tester quand même. Mais ça paraît logique pour le coup. Hop. Encore vous? C'est bon, y'a plus personne. Et en plus derrière, je peux les ouvrir. Oh purée, il reste une, j'avais pas vu. Ah, il reste plus qu'une même. Oh, c'est stylé ça. Aïe. C'est bon, elle m'a loupé. C'est bon? Ouais, c'est bon. Débile. Ah, d'accord. C'est où la porte?
Ah, oh, wait. Ah, d'accord. Ok, là, ne pas se louper, Arcro, ça peut faire mal. Ok, on est bien pour l'instant, ça se passe bien. Je sais pas combien de temps on est de vidéo, mais on va peut-être pas tarder à arrêter, ça passe, ouais. On va aller par là, c'est le seul endroit où je peux aller. Attends, wait, Arcro. Wait. Ouais, voilà, on va recommencer, parce que là, ça partait mal. Et ouf, j'ai peur, j'ai cru que je m'étais loupé. Ah, ça va, en fait, il y a une grosse marge. Les licornes, par contre, ça me termine. Vraiment, ils auraient pu tout choisir, sauf les licornes, mais ils l'ont fait quand même. Mais en vrai, c'est une super bonne idée. Hein. Maintenir RT plus X, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en dessous. J'ai pas envie de faire une photo, c'est un peu trop gore pour faire une photo, donc j'annule direct. Voyons voir, là j'ai de la police, là il y a des licornes sur courtes sur pattes. Oh, il y en a beaucoup là. Quoi ? C'est bon. Hop. Bah, j'avais pas vu qu'il y avait une bosse. Ok. Ah non, il y a personne. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Les boules boucliers. Oh, c'est dommage, ils ont pas fait un nom aussi simple que les autres. Bienvenue au magasin de jouets. Amélioration. Ok. Ok, sympa. Alors, comment battre ces licornes boucliers? D'accord, tout simplement. En fait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des touches différentes auxquelles il faut penser et tout ça. Je crois qu'il n'y a plus personne. Ouh, j'ai peur. Ah, purée, c'est toujours aussi gore, hein, Grant. Le mec qui a eu l'idée de ce jeu, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est pas mal. C'est bon, il n'y a plus personne. Et du coup? D'accord. Salut les gars, ça va? Ils ont pas une chance, les pauvres. Ok, là, y'a rien à récupérer. C'est quoi ça encore? Le fusicorne. Voilà, ça j'aime bien comme nom. Simple mais efficace. Alors. Alors, RS. D'accord. Je vois pas l'utilité de viser les ennemis du coup. Ah si, d'accord, tu fais A. RT plus Y. RT plus Y. Ah, faut maintenir, pardon. Oui, d'accord, c'est... Ah oui, c'est pour les licornes qui volent, je peux pas les avoir autrement. Bah du coup, il y a trop de touches, là. Je commence à un peu oublier. Merde. Arrête. Comment on fait déjà pour... À court de carburant. Eh merde. Carburant, s'il vous plaît. Alors, attendez. Y pour celle-là. Ouais, je suis en train de me faire démonter, là. Et du coup, ouais, là, je suis en train de me faire démonter, parce que c'est pas comme ça que je suis... RB. Ok, alors, j'ai vu du carburant là-haut. Non, c'est la vie. Bon, je vais faire la vie. Hop. Carburant, s'il vous plaît, monsieur le jeu. Arrête de viser, s'il te plaît. Merci. Non, il n'y a pas de carburant ici. Arrêtez! Il n'y a pas de carburant, c'est pas grave.
Ok. Wesh. Ah oui, c'est vrai que c'est, les boucliers c'est comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah non, pas du tout. Oh, carburant. Ah putain, mais ça spawn à l'infini. Alors, quoi sert le cerceau? Ok, ah, ça, là c'est bien violent quand même. Alors les boucliers, ça dégage comme ça. Par contre, la vie, ouais, la vie, ça descend. Ok, on est pas mal. Alors, dégagez-vous. Vous aussi. Hop. En fait, ouais, en fait, faut rester toujours en mouvement et on se fait très peu toucher. Aïe. Aïe. Les licornes lames, par contre, ils font mal. C'est bon? Ah non, pas du tout. Aïe, c'était pas prévu ça. Ok, pour l'instant, ça se passe plutôt bien ou pas. Dégagé. C'est saturé à mort pendant quelques coups. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, ça recharge la vie. Le carburant, ça c'est pas mal. Bah, vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là. On est plutôt pas mal. Quoique, il y a peut-être un boss au bout d'un moment. Bah, des fois, je reste appuyé alors qu'il faut pas. Faut juste spammer. C'est. Ouais, c'est plein de touches en fait à connaître. Tiens, là, il y a peut-être un boss. Il n'y a pas l'air. Ah, je suis loupé comme un crétin. Il n'y a rien de particulier ici. Ok, un boss. La main droite. Sympa. Alors... D'accord. Oh la vache, oh la vache! Oui! Voilà toi, dégage! Ok, on va se faire le boss et on va s'arrêter là. Oh purée, il y a du monde, il y a du monde. Ok, là il y a plein de combos à faire. Hop, on va un peu prendre la vie. Oh, j'aurais peut-être dû attendre. Dégage! Oh, tu saoules. Dégage! Ah, mais on peut sauter aussi pour aller plus vite. Oh purée. Ok, j'ai trouvé un combo que le jeu ne nous avait pas présenté. Bon, moi j'aurai un très gros souci là. Ok, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ah, il me saoule. Hop. Attendez, wait. C'est galère quand même, on dirait pas. Oh, toi, dégage. Ah, d'accord, je peux pas m'approcher quand il tire des lasers. Par contre, les gars, avec vos petits trucs jaunes là, un peu chiants, vous allez arrêter. Je me demande si je ferais pas plus de dégâts comme ça aussi largement. Ah, ouais. Y'a quelqu'un qui me tire encore dessus là. Dégage-toi. Ok! C'est génial. Bon, on a fait un boss, donc c'est parfait pour s'arrêter. On est quand même à 30 minutes, 29 minutes 10. Donc 30 minutes avec le montage qui va rajouter l'intro, etc. C'est très très cool. Franchement, c'est très très sympa comme jeu. Y a du potentiel. Ça peut être assez fun et tout ça. Et en plus, un chat quoi. C'est vraiment devenu la mode, les chats.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Si vous voulez tester la bêta, c'est sur Steam, gratuit. En pas besoin de demander l'accès et tout ça, c'est vraiment une bêta publique. Mais voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Allez, salut!